Allez, coller. Tornado, sombrero, on est parti, draft 100% icône aujourd'hui. Il n'y a que des icônes qui tombent en ce moment dans les drafts, on va essayer d'en profiter. Composition pour y arriver, bah, je pense qu'on va être pas mal en 4-2-2-2. Mais juste avant que cette vidéo commence, Turtle Beach m'a envoyé une manette Xbox et un casque tout simplement. Xbox, PlayStation et PC également, casque très très stylé. Je vais déballer ça et vous montrer. C'est le Raycon 500 le casque, vous le voyez juste ici, très très sympa. Compatible également avec des lunettes, moi je porte souvent des lunettes, vous le savez très bien, donc ce sera parfait pour moi. Donc c'est une manette qui est filaire. Cette manette a des fonctions d'audio améliorées Turtle Beach. En plus de ça, les poignées sont ergonomiques et rafraîchissantes. Et en plus, bien sûr, il y a deux petites palettes derrière pour configurer des boutons très pratiques, notamment sur Call of ou d'autres jeux FPS. Cette manette fonctionne sur Xbox Series S, Series X, sur Xbox One et également sur Windows 10. On les ouvre, on regarde ce que ça donne. Petit unboxing de la manette. Le petit câble filaire pour cette manette. Franchement, première prise en main, la manette est hyper agréable à utiliser. Je vous la montre de plus près. Donc vous avez deux palettes juste derrière sur les côtés, à gauche et à droite. Donc ici. Et là, ici sur les côtés, vous avez des poignées rafraîchissantes et ergonomiques qui vous empêchent justement de glisser, qui sont très pratiques. Le petit logo Turtle Beach ici au milieu, et franchement le design est très très sympa. Vous voyez également qu'il y a plein de petits boutons disponibles sur le haut, et franchement la prise en main, elle est incroyable. Je vais ouvrir le casque maintenant. On retrouve donc le casque, un petit micro à placer dessus, et un petit câble également pour brancher le casque sur le périphérique que l'on souhaite. Très 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 beau gosse ce casque, quand tu le mets, t'entends plus rien autour, c'est incroyable. L'isolation, elle est incroyable. Ah mais là je suis à fond dedans les gars, parce que vraiment je kiffe le produit, c'est magnifique. Si maintenant vous voulez vous procurer ces produits, ce casque Raycon plus cette manette également Turtle Beach, il y aura les liens en description bien évidemment. Et il me semble même qu'il y a une réduction si vous prenez le casque plus la manette, le package. On retourne maintenant sur FIFA. On veut que des icônes à tous les postes. Capitaine de cette équipe, closant capitaine, BU avec lui, R9 dans l'équipe, allez gardien, j'espère une icône au goal également, Schmeichel dans les cages, on est pas mal, 3 cartes pour l'instant, 3 icônes, on assure. Suffit de dire ça. Traoré, défense centrale. Un petit Campbell, un petit Ferdinand, un petit Vidic, c'est pas mal aussi. Deuxième DC, Ferdinand justement, il est là. Barizier aussi, mais Ferdinand, il a les meilleures stats. 4 icônes, 5 icônes pour l'instant. On est bien parti. On va prendre Spinazzola qui a des stats de ouf. MOC, là on peut être gâté aussi. On est gâté. MDC, Guardiola, Essien, c'est peut-être maintenant. Guardiola, Essien, Essien qui arrive dans l'équipe. Et MOC, petit Ronaldinho, pas de Ronaldinho, Pelé 98. On est pas mal. Il nous manque pour l'instant 2 milieux de terrain, 2 défenseurs. On est bien parti, hein, franchement, il manque 4 joueurs simplement. Faut de la chance dans les remplaçants, mais on peut le faire. Parfois, 4 joueurs, t'arrives pas à les avoir. Allez, Zanetti en défenseur droit, c'est parfait. C'est ce qu'il nous fallait, un défenseur droit. Il manque un défenseur gauche et 2 milieux de terrain. Dele Alli au milieu de terrain. Diaby, non. Rodrigo, régalez-nous. Oui, là, c'est exceptionnel. Johan Cruyff qui arrive dans l'équipe. Si Wayne Rooney ou Van Basten, mais Johan Cruyff, vous savez très bien, j'adore Johan Cruyff, les gars. Je suis obligé de le prendre. En MOC ici, il passera très très bien. Il nous manque 2 cartes maintenant. Un défenseur gauche et un milieu de terrain. Sané, sur 4 choix restants, ça va être chaud. Hein. Mais on peut le faire. Oui, parfait. Rooney au milieu de terrain. C'est pas top en termes de notes, mais on peut faire comme ça au pire. Avec Pelé ici, on inversera pendant le match. Et il nous faut juste un défenseur gauche pour terminer. Ça va être chaud, il reste 2 cartes. Avant dernière carte, allez, une icône. Oui, une icône. Soccer qui vient de tomber. Et dernière carte, pas d'icône. On va jouer avec un BU en arrière gauche. Franchement, tant pis. On n'a pas le choix, on a 11 icônes. On est obligé de jouer comme ça. Ah, c'est le challenge les gars. On a presque 188, en tout cas on a 88 de notes. Meilleur joueur, Pelé, Cruyff, Zanetti. Bon, le seul problème bien sûr c'est Soccer en arrière gauche. Et ensuite il faudra que j'inverse Pelé avec Rooney au milieu de terrain. Et le milieu de terrain est quand même un peu offensif. Et on affronte presque une full icône. 9 icônes en face et il avait R9. Attention, ça va être chaud. Pelé en point. Cruyff en pointe et R9 close sur les côtés. Pour le côté gauche, on va l'oublier avec Soccer et close, les gars. Je ne passe pas du côté gauche, on passe que à droite. Allez, Pelé justement, il est plus rapide que tout le monde. Pelé, la petite passe pour Cruyff, ça va trop vite. Troisième minute simplement 1-0, mais c'est trop fort. Pelé, Cruyff, allez profondeur, t'es passé, t'es plus rapide. Wayne Rooney, la passe pour Pelé. Pelé, let's go, 2-0, Wayne Rooney pour Pelé, mais ça va beaucoup trop vite. 7ème minute, simplement 2-0. Ouais, ça rentre pas, ça rentre pas, ça rentre pas. Pouah, la reprise Schweinsteiger, 2-1. Il a pas blagué, hein. Frappe allemande, t'as peur, hein. Allez, R9. La petite passe, Cruyff. Termine Cruyff, merci Cruyff. Le petit 3-1, on est tranquille. 3-2, là je troll. Il est passé R9. La petite passe pour Pelé, sombrero. Penalty, penalty grâce à Pelé. Oh non, moi aussi je suis un troller. Allez, Pelé. Tornado, sombrero, tu finis. Oh là 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 là. C'est le but de l'année. C'est le but de l'année les gars, je veux voir le maximum de pouces bleus parce que là, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé, c'est le but de l'année. Tornado, sombrero, reprise de volée. Qui d'autre que Pelé pour le mettre?
Je suis choqué du but. On finit là-dessus, victoire 4-2. But de malade mental pour terminer, mais je suis tellement content. Depuis le temps, les gars, je voulais mettre ce but-là. Tornado, suivi d'un sombrero et marqué derrière, mais je l'ai tenté, mais je sais pas, au moins 500 fois, je l'ai jamais mis, et là, il rentre. Incroyable. On enchaîne tout de suite, deuxième tour, il y a du Ronaldinho, du Kaka en face, du Lampard, du Roberto Carlos. Let's go, c'est parti. Allez, on refait les mêmes changements rapidement. Le côté gauche, on n'y passe pas. R9 sur le côté. Tu l'as vu le centre. Pour Cruyff peut-être. Ouh, le CSC qui était pas loin, mais oui, le but de Cruyff. Mais c'est dégueulasse. On prend quand même 1-0. Ce qu'il faut pas mettre comme but, les gars. Allez, Cruyff en bas. Pour Miroslav Klose. Passement de jambe, pied gauche. Ouh, dommage Klose. Bien joué, Souker en défenseur droit. Solide derrière le Souker hein, pour l'instant. Tous les comptes là. Encore un contre, ça me rend fou. Et ouais, un partout. Trois comptes d'affilée, les gars. Pelé, merci Pelé. Le petit 2-1 juste derrière. Et le rush qui juste derrière, le mec voulait même plus jouer. Pourtant, il était bon, j'ai pas compris. Allez, on affronte du Torres, Del Piero, Kaka, Roberto Carlos, Petr Cech. Il y a du Ginola également. Belle team en face. Oh oh, là c'est la merde. Allez, Souker, je compte sur toi. T'es rapide, Souker. T'es rapide. Ouais, 1-0 pour lui. Allez, Pelé. Pas de faute, c'était pas loin. Faute là, pas de faute non plus. Oh, le jeu qui est contre moi d'un coup là. Non, je me le prends. 2-0, bien joué à lui. Fait de la merde. Mais le jeu qui est pas très cool avec moi, franchement. Non, c'est pas possible. C'est pas possible la chance qu'il a. 3-0 à la 19ème minute. Je perds pas ce match. Penalty. Reste calme, Arsène. Reste calme. Allez, tu l'as, Cruyff. Déconne pas, déconne pas. Merci, Cruyff, 3-1. On peut revenir. On peut le faire, les gars. Je vais pas lâcher, hein, vous le savez. Allez, Pelé. Merci, Pelé, 3-2. On peut revenir. Allez, 30 minutes. Je vous ai dit que j'allais remonter. Je vous l'ai dit, je vais le faire. En retrait, en passe, tu termines. Non, le poteau. Mais Pelé, comment tu me fais ça? Allez, la passe, fini. Merci, Pelé, 3 partout, le comeback. Je vous l'ai dit les gars, je lâcherai pas. Je ne lâcherai pas, il y avait 3-0, 3 partout. Oui, oui Pelé, c'est maintenant. Pour Cruyff, tu termines. Non, c'est pas possible son setch. Prolongation les gars, franchement, j'ai fait le comeback. Il me manquait un tout petit peu de chance, de réalisme aussi, parce que là, on mérite tellement. Regardez les stats, 11 tirs à 6. J'ai que des icônes, je vais faire une draft 100% icônes et j'ai pas de joueur icône en remplaçant. On va pas l'utiliser, on va peut-être perdre à cause de ça les gars. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et en face, il a fait entrer Chiesa. Ça va faire mal, ça. Plus Atal. Pelé. Penalty. Let's go. Let's go. 4-3. Le comeback, les gars. Je crois qu'on est sur un quadruplé de Pelé. Hein. Dans l'axe. Encore Pelé. Il est phénoménal. Le 5-3. Encore la virgule. Là, on est bien. Là, je respire, les gars. Allez, Pelé en profondeur. On retente le tornado. Il n'est pas passé, virgule. Et on termine, mais c'est exceptionnel. C'est la prolongation des virgules. Le triplé en prolongation pour Pelé. 3 virgules. Pelé, 5 buts, une passe D. Finale de draft, on affronte donc du Socrates, du Geek, du Sidorf, du Campbell, du Desai. Belle petite team, je crois qu'il y avait 6 icônes en tout. Allez, faut la win. On remet les lunettes. Là, il y a de l'espace. Pelé. Tu l'as vu. Pour Cruyff. Pour terminer, 1-0, on commence bien. Parfait, contre-attaque parfaite. Pelé, pour terminer. Non ! J'ai croqué. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait mon Zanetti ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait mon Zanetti, les gars ? Mais c'est quoi cette icône ? N'importe quoi, 2-1. Allez, Pelé. Merci Pelé, réaction immédiate, 2-1. On gagne 2-1 pour l'instant à la mi-temps. Match très 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 serré. 3 tirs à 4, franchement c'est chaud. Allez, fini. Pouah, c'est magnifique, allez, termine. Tellement dommage, l'action était incroyable. Non, ça c'est le but. Il l'avait arrêté, hein. Il l'avait arrêté, les gars, mon Schmeichel. De partout. Il est dur ce match. Allez, termine. Oui, c'est contré, c'est dégueulasse également. 3-2. Wayne Rooney. Ah, en finale, on prend tous les buts possibles. Dans l'axe. Tu termines. Merci. Non, la parade. Oh, franchement, je la voyais dedans. Il est pas hors jeu son Messi. Il est pas hors jeu. 4-3 pour lui. Mais c'est pas possible. Je suis sûr qu'il la met même pas à Messi la passe en plus. Il joue le temps en plus.
Et 5-3 les gars, malheureusement j'aurais perdu cette finale, je suis dégoûté. J'ai eu tellement peu de réussite. Aïe aïe aïe, je peux pas la perdre. Je peux pas la perdre, franchement j'ai déconné hein. J'avais les lunettes, j'ai tout tenté pour revenir, j'ai pas réussi. Ça arrive, tant pis les gars. Je suis meilleur, je pense, quand je prends les pires joueurs visiblement. On va regarder ce qu'on pack quand même. Pack joueur premium or et pack joueur or, on ouvre ça. Le jumbo or, c'est parti. Le premier pack, pas d'animation, rien du tout. Belge, défense centrale, Boyata. Et deuxième pack, qu'est-ce qu'on a? Un petit joueur entre 83 et 85, défense centrale, Uruguay et un petit Coates pour terminer.